Jeanne, la très gentille, est morte contre d'être très blanc, passant le pubert du languille, Narcisse et Hubert le merlan, près d'elle faisaient leur manie, et la crâneuse de Clichy, aux rouges yeux de dégueulade, répète mon nom de Vichy, va dans le panier à salade, ha ha, sans faire de chichi. Les yeux dansant comme les anges, elle riait, les yeux très bleus, les dents très blanches. Puis ce soir, on s'en ira au cinéma. Les artistes, que sont-ce donc? Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes, ce sont les acteurs et les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma. Nous dirions le cinéma. Si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné, ni cinéma, mais cinématographe. Oh, si mon Dieu, faut-il avoir du goût? À Strasbourg, en 1904, j'arrivais pour le Ludigrat. Assis devant l'âtre, près d'un chanteur de l'opéra qui ne parlait que de théâtre. Laquelle rire rousse avait mis sur sa tête un chapeau rose, comme elle dit qu'il est du cerveau, n'en eut jamais aux belles choses. Carnaval, chapeau rose, appelé. Ah, ici à Cologne, dans les fleurs, il est confetti. Carnaval, j'ai revu ta trône, au roi, plus riche et plus gentil que Rhésus, Rothschild, Mitterrand. De tarte, flan, etc. Un peu de quiche me ravicote. Que